Yo les gars, c'est Susu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. Aujourd'hui, on va partir invoquer sur la version Jap, sur le portail des LR, du nouveau LR, j'allais dire Black Goku, Bardock surtout, qui est arrivé du coup hier par rapport au moment où tu vas voir la vidéo et moi aujourd'hui. Mais aussi Alpha Monso Slug. Alors moi, je disais dans ma vidéo justement où j'avais annoncé, où je parlais de Slug, etc., que je n'étais pas sûr que ce soit une unité gratuite, qu'il y en avait une oui, l'autre non, elle me paraissait trop forte pour que ce soit une unité gratuite. Et effectivement, elle est dans le portail. Mais au moment où j'ai fait la vidéo, j'avais pas d'infos là-dessus. Donc j'étais dans le doute. Mais du coup, là, le doute n'est plus permis, puisque nous avons une bannière LR avec Bardock en tête d'affiche. Mais ce n'est pas le seul. Regardez-moi cette classe de ce Bardock, même si je suis un peu déçu du perso, il reste très fort. Le Slug, ici aussi, très très fort. Bon, ce Goku, c'est le Goku Kaioken, je crois. Je dis pas de conneries. Et puis derrière, bon, le reste, on s'en fiche un petit peu, concrètement. Voilà, hein. On a Célipa, tout ça. Donc ça, c'est pas terrible. On vise éventuellement Slug et surtout Bardock et éventuellement d'autres LR que sont, qui me manquent. Il me manque le Goku LR, il me manque le Goten et Trunks LR aussi. Ça fait 2 plus 8, 3. Est-ce qu'il me manque quelqu'un d'autre? Il me manque quelqu'un d'autre, mais j'ai zappé. Je l'ai pas sur la langue. Donc, du coup, on va tenter de dropper, les amis. On a 660 DS. On ne va peut-être pas toutes les utiliser. On va essayer d'en garder au moins 200. Parce que d'ici 15 jours, on a Mirai Gohan qui arrive sur la version Jap. Hein, maximum 15 jours. Leader catégorie de l'arc futur. Donc, je t'invite à aller checker ma vidéo news là-dessus si tu l'as pas vu. Si t'es pas au courant, file aller voir cela. En attendant, on va partir invoquer. Juste avant d'invoquer, je compte sur vous. On tape le petit 1500 pouces bleus sur cette vidéo invocation légendaire de Bardock LR. Je compte sur vous, les frérots. On lâche le pouce bleu, le kamehameha sur la barre des pouces bleus. On s'abonne, on me suit sur les réseaux sociaux. On active la clochette pour les notifications. Et puis pour les nouveaux, sachez que tous les jours, il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc si vous êtes abonné, vous n'avez pas de notification, n'hésitez pas à les checker parce que c'est pas normal. Bref. Sur ce, on est parti, on va invoquer, alors je vais faire que des multi parce qu'on voit les singles, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est parti, j'ai un peu la pression, allez let's go. Let's go, est-ce qu'on va réussir à dropper le nouveau Bardock LR ou pas, ou un LR tout court, ou Slug au moins. Au moins Slug, si j'ai pas de LR, au moins donnez-moi un Slug. Bon, une capsule, après c'est SSR garanti, on est sur la version Jap, on a SSR garanti à chaque multi-invocation. 95% de chance qu'il soit hors détecteur, 5% de chance qu'il soit dans le détecteur. Donc voilà, comme ça tu es au courant de tout. Pour le moment, nous avons du Goku, du Tao Pai Pai, c'est pas vraiment ce que nous voulons. Qui s'enchaîne sur le Vegeta Taconique. Hein, allez, allez, on y croit. Bardock, Goten ou Trunks et Goku LR. Un des trois, please. Ou Slug, en vrai. Pourquoi pas Slug? Non, Gohan, ça m'intéresse pas trop. Mais non, Totepo! Ou j'y crois qu'il s'appelle comme ça. Tu pues la merde! Parce que c'est le seul SSR de la multi. Ça semble être le cas du tout. C'est pas le cas. Bon, c'est pas grave parce que c'est un personnage aussi qui ne me sert plus à grand chose, même si ce fut une très bonne unité. Le Goku Blue. Deux SSR pour commencer, pas ce qu'on veut, pas terrible, non, pas du tout ce qu'on veut même, hein. Faut dire ce qui est. Allez, on y va. Allez, monsieur. C'est le moment, hein. Faut arrêter les bêtises. 2, 3, 4, 5, 5 capsules. Allez. Donnez-moi un nouveau LR, au moins que j'ai pas. Ça serait cool. Ou Slug. Voilà, ou Slug. SSJ3, on a aussi le SSR garanti. Allez. Allez, please, un peu de chance. Ça, c'est Kamessénine, ça, on s'en fout. Bardock SR, pour monter l'aspect des différents Bardock, les amis. Mais c'est pas ce Bardock-là qu'on veut. C'est bien le Bardock LR Endurance. C'est lui qu'on veut, le frérot. Boutinx. Allez. Bojack? C'est Bojack LR ou pas? Non, pas du tout. J'ai cru pendant une millième de seconde et puis je me suis dit non. Non, ce n'est pas Bojack LR. Je sais plus dans quelle position il est ce con. Il est peut-être de l'autre côté, hein, je sais plus. En tout cas, ce fut une montagne d'adrénaline de 1 millième de seconde qui est vite redescendu. Saleté de Bojack. Raditz. Hein, tout ça, c'est sûr qu'il n'y aura pas de Raditz. Enfin, qu'il n'y a pas de Raditz LR en tout cas.
Bardock, ça va être la dernière l'unité garantie du coup. Dodoria. Ok, Kiwi, voilà, c'est maintenant du coup. Godku. Bon. On s'en fiche, hein. On s'en fiche, c'est pas ce qu'on voulait. Allez, deuxième multi. Enfin, la troisième multi du coup maintenant. On y croit. Dans la même multi, deux Néo LR et on n'en parle plus. Le mec qu'on veut pas trop, tu sais. Allez, SJ1, SJ2. 4 capsules. Je crois 4 ou 5, je sais plus. Allez. C'est maintenant. Su. Vas-y, Goku. Pas de SJ3, mais c'est pas très grave. Allez, please. Un LR. Ou Slug. Au moins, ou Slug, mon ami. S'il te plaît. Slug. C'est le sang, Slug. C'est le sang, pas du tout, mais... C'est un nouveau personnage. Donc je veux bien un nouveau personnage, vois-tu. Je ne veux pas Yajirobe. Hein, je ne veux pas Yajirobe R. Ça m'intéresse pas des masses. Concrètement, qu'on se le dise. Table. C'est 18. Ça sent pas bon, les amis. Ça sent la troisième multi. Pas très, très Charlie. Trunks Ikari. Down my mind. Oh, le portail, il est terrible avec nous là pour l'instant, il ne nous laisse aucun espoir, il nous donne des persos totalement moisis. Allez, on y croit, la quatrième multi, let's go. On y croit, monsieur l'arbitre. Tout arrive. Ouais, ça va être le petit bye bye les gars, ça. Tout vient à point, à qui c'est attendre, à Skip. Allez, Bardock. What? Mais quel est ce Tao Pai Pai, les amis? Je ne l'ai jamais vu de l'histoire de l'humanité. Mais quel est ce Tao Pai Pai? Dites-moi dans l'espace commentaire si vous l'avez déjà vu souvent, ce R Tao Pai Pai. Parce que il me dit rien du tout. Je crois que je ne l'ai jamais droppé, ce R Tao Pai Pai. No fake, hein. Ou alors, je m'en souviens pas. Mais je me souviens de Deligra, par contre. Je me souviens bien de toi, mon ami, et on ne te veut pas, hein. Sache que tu n'es pas le bienvenu. Concrètement, tu es vraiment pas le bienvenu. C'est un Neo LR, les amis, c'est un Neo LR, mais c'est plus celui que je voulais le moins dropper, parce que je crois que je vais l'avoir 100% du coup, mais c'est un Neo LR. Allez, c'est un Neo LR, c'est celui que je voulais le moins dropper, mais c'est un Neo LR, et il va me permettre, je crois, de le mettre 100% ou presque mon Majin Vegeta LR, donc il va être vraiment incroyable. Donc c'est nice. Allez, c'est nice. C'est nice. Allez, on est sur le bon bail, les gars. C'est pas trop un XLR, ça aussi. mec, il fume. Il voit des R, il pense à un LR derrière. On va avoir quand même encore un SSR normalement. Le dernier. En tout cas, on a droppé un Neo LR. C'est déjà bien. Et ça, c'est pas un Neo LR. C'est Baby Vegeta. Mais donc, du coup, on a un nouveau Majin Vegeta. Il faudra que je voie, mais il me semble que du coup ça va me permettre de mettre 100% ou juste ou un troisième doublon, je sais plus. Allez, oh, c'était le. Enfin, vu que j'ai déjà deux doublons, je voulais autre chose, tu vois, si j'avais un LR. Mais c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Ne nous plaignons pas, Susu, que c'est très très bien. On drop un petit LR des familles. On voulait Bardock. On veut Bardock. On veut Goten ou Trunks LR. On veut Goku LR. Est-ce que le destin va nous entendre? Ah, ça c'est pas vraiment un LR, ça, monsieur. Non. Ce n'est pas un LR, ça. C'est terrible! Qu'est-ce? Ah, j'ai cru encore une fois que c'était ce bon vieux Bojack. Mais c'est ce bon vieux Dabra. Suivi de Chaozu des familles. Gohan. Allez, donne-moi Bardock. Donne-moi Bardock ou une nouvelle unité que j'ai pas. Slug. Ou Slug. Au pire. Bardock. Allez, Bojack, Goku et LR, je sais pas, donne-moi quelque chose. Allez, là, ça va être la dernière. Trunks agilité, tu... Non, mais dégage-toi là, double Trunks dans la multi-invocation, c'était un signe. Je ne sais pas si c'est un signe du destin, mais en tout cas, c'était un signe que c'était sous la bannière des Trunks que nous allions... avouer cette multi-invocation. Bon, allez, on a déjà eu Majin Vegeta LR.
C'est déjà pas mal, mais bon. Globalement, on aimerait avoir des persos du détecteur quand même. Bon, tu me diras, on a eu le macaque là, Totepo Chauve. Donc concrètement, ça fait un perso du détecteur. Mais bon. Et puis si on veut un perso du détecteur, on veut Bardock. Je sais pas ce que t'en penses, toi derrière ton écran, mais tant qu'à faire. En parlant de Bardock. Allez! Guldo! Tao Pai Pai! Lui, je le vois souvent ce R, tu vois, de Tao Pai Pai. L'autre. L'autre, vraiment, je t'avoue que. Je sais pas d'où il sort. Hein. Freezer! Docteur Gero! Docteur Gero! Bardock! Allez! Je sens que Bardock LR va pop dans cette multi-invocation, les gars. Je le sens. Je sens qu'il arrive. Allez! Et là, il est là. Et c'est le drame. Krillin, c'est pas vraiment Bardock, hein. Non plus. Bardock! Mais comment on peut dropper des mecs comme Trunks, Endurance, encore en 2018? Je vous le demande. Comment c'est possible? Allez! On continue. Tentons. Un nouveau LR. Une capsule. Allez, une capsule, c'est peut-être un signe. C'est la capsule dans laquelle Goku s'est échappé de Namek. Ce qui veut dire que du coup, Bardock est à côté en train de nous regarder invoquer et qui va se pointer. C'est sûr, les gars. Bon, ça c'est pas le bon Bardock. Totepo, je te déteste du plus profond de mon être. J'espère que tu mourras un jour. Ouais, en fait, il est déjà mort. Non, mais pas Boutenks! Bardock! C'est un kiwi! Mais kiwi! Bardock! Pff. Oh là là, double Gohan, t'es sérieux, frère? Oh, Tao Pai Pai! Ah bah si, c'est le Tao Pai Pai que j'ai vu tout à l'heure. Ouais, en fait, j'ai déjà dû l'avoir, je m'en souvenais juste plus de ce R Tao Pai Pai. Est-ce qu'on peut arrêter de me donner des Trunks? Non, je sais pas, entre Kid Trunks, Endurance, le Puissance, le Agi, on a droppé tous les Trunks qui existent au monde, hein. Allez, maintenant ça suffit. Ça suffit les conneries. Alors on va s'arrêter, je pense, à 200 DS. On va faire encore deux multi, on va garder le reste pour la fin du mois. Allez, on y croit. Tout vient à point, à qui c'est attendre. On a eu un EOLR, on en aura peut-être un deuxième. Ou Slug. Godonner Slug, quoi. Et stop de m'envoyer des Videl. Ou des Trunks. Ou des Kiwi. Allez. Bardock. Bardock. C'est terrible. Bardock. La 60e Videl. Dis donc, c'est un gangbang de Videl que nous avons là. Bardock. Trunks, le 60e Trunks. C'est une blague. On a encore droppé Magie de Vegeta. Mais non, il est 100% le mien, les gars. C'est terrible. On a droppé deux LR et c'est celui qu'on a 100%. C'est terrible. C'est terrible, la malédiction. Bah, la malédiction, tout est relatif. Mais quand même. On aurait pu avoir un autre LR. Il y en a plein des new LR. Et on drop deux fois le même. Sérieux, bon allez, last multi les frérots. On s'en sera quand même, on aura quand même droppé deux Neo LR, donc c'est très bien. C'est très bien. C'est pas de chance que ce soit tombé deux fois sur le même, mais ça reste très bien. Allez, il s'agit de. On ira voir après, mais il me semble que du coup maintenant il est 100%. Le petit Majin Vegeta. Oh non, c'est Lipa! Ah non, c'est. C'est Jean-Paul, je sais plus comment il s'appelle, lui tête au bol. Allez. Bardock. 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 Mec, il appelle Bardock de tout son cœur, de tout son être. Kenes. Oh, c'est Nail. On n'aime pas vraiment Nail, nous. Ça, c'est Nappa. Bardock. Baldoku. Oh, c'est encore un Vegeta. Cette fois-ci, c'est pas un LR. C'est pas un LR, c'est vraiment pas le bon Vegeta. Bon, vous savez quoi, on va jusqu'au bout, on dépense tous les DS, on rechargera pour...
On rechargera pour... comment il s'appelle? Pour Mirai Gohan. Allez. Ah, je sais pas. Je sais pas. C'est terrible. Le joueur français en PLS ne sait pas du tout quoi faire. Est-ce qu'il va continuer à invoquer sur ce portail qui a déjà apporté deux Neo LR mais pas celui qu'on voulait. Écoutez, je pense pas. Non, on va garder. On va savoir raison garder. On va garder. On va juste aller voir en 2-2 notre Majin Vegeta. Voir si... où est-ce qu'il en était de sa transformation. Ah bah du coup, je vais pas aller le voir ici. Je vais aller le voir ici. Je vais y arriver, ici. Et je vais aller vérifier. On a quand même droppé deux Neo LR. Preuve que... C'est que ça devient de plus en plus intéressant de pouler sur ce genre de portail parce que il y en a tellement beaucoup maintenant de Neo LR que tu peux tomber. Voilà, avec un peu de chance. Il est où bien? Ah, il est là. Il est là. Donc qu'est-ce qu'on a? Voilà, donc on en a. Il nous manquait plus qu'un côté de l'arbre à monter. Voilà. On en a droppé deux, donc il y en a un. C'est terrible, je vais pas en envoyer un à la poubelle quand même. C'est quand même incroyable. Je vais quand même pas en envoyer un à la poubelle, les frérots. Non, ne me dites pas ça, c'est pas possible. Vous savez quoi? On invoque. On y va, on termine. On sait jamais. Allez, go, c'est parti. Allez, monsieur. On croit en toi. 4 capsules. Allez. Bardock. La vidéo va durer 20 minutes, du coup, c'est connerie. Bardock. Ou Slug, je sais pas, je veux... Slug peut-être, bah... Au moins, le frérot quoi, le Namek Sejin. Et ça c'est Nail, c'est un Namek Sejin, mais c'est pas celui qu'on voulait les gars. Tenshin Han. Chaozu. Tambourine. Allez, on y croit. On y croit les gars, c'est le moment de refaire une petite tournée de pouces bleus pour tenter de pousser la chance à son paroxysme avec du Kale. C'est pas ce qu'on voulait. Mais c'est pas grave. Allez, il nous reste 3 multi. Il nous reste 3 multi pour pouvoir dropper Bardock ou un Neo LR qu'on n'a pas. Ou Slug. Ou le Slug. Le petit frérot. Allez. Okay. 16. Gohan. Krillin. Allez, on y croit. Ça va venir. Il va venir tel un hibou. Et il va nous sauter à la gueule. Il va nous dire, eh ouais, t'as bien fait mon frérot. Et non, mais lui il est dégueulasse lui. Putain de merde. Encore 3 SSR d'affilée. 3 SSR de merde. Mais 3 SSR d'affilée quand même, hein. C'est assez rare pour être souligné. 3 SSR d'affilée quand même. Why not? Allez, pour l'instant, on n'a pas bien fait de pousser. Hein. Pour l'instant, on n'a pas bien fait de pousser parce qu'on n'a rien eu de ouf après avoir dit qu'on arrêtait. Allez, on y croit quand même. Le positif entraîne le positif. Faut se dire ça dans la vie. Sinon, on n'avance pas, on recule. Bardock, mon frérot. Slug. J'aime beaucoup les gens verts. J'ai une association de gens pour les gens verts. Allez. Non, je le sens pas celle-là les gars. C'est terrible. Allez. Oh, Zama Black, Black Goku. Pouh. Nice, un doublon de Zama Black. Ça, je suis content d'avoir ce doublon là. Nice. Doublon Zama Black. Oh, c'est pas fini en plus. Doublon, c'est un petit Gohan pour terminer. Doublon Zama Black. Ça c'est très très bon, j'avais pas de doublon. Donc ça c'est vraiment très très bon. Nice. Deux doublons du Zama Black qui fait grave plaisir. Plus deux Majin Vegeta LR. Globalement quand même, c'est très très bien. Allez, dernière multi. Peut-être Bardock. Qui sait. Par contre, les taux de drop pour dropper les persos du portail, c'est un peu hard de mon côté en tout cas. Allez, vous me direz ce que vous avez pu dropper les gars, mais ça devient de plus en plus intéressant de pouler sur ce genre de portail. De toute façon, c'était... Ah. D'accord. Le Gohan Kamehameha familial, qui a eu son limit break du coup. Allez,
On y croit. Bardock pour la dernière. Ça c'est Beerus. C'est pas Bardock. Mais c'est pas le Beerus LR. Non, c'est pas le Beerus LR, il est puissant le Beerus LR. Attends que je dise pas de conneries. C'est pas le Beerus LR. C'est vrai qu'il y avait le Beerus LR. Attends, est-ce que c'est le Beerus LR? Je crois pas, hein. Faut que j'aille vérifier, les gars. J'ai un trou. C'est terrible. Est-ce que c'est le Beerus LR ou est-ce que c'est le Beerus Intelligence Attends, est-ce qu'il est sorti que sur la globale? Attends, attendez. Oh, si c'est le Beerus LR, comment je bande aussi? J'avais complètement zappé ce perso. Non, il est puissance. C'est terrible, il est puissance. Il est puissance. Non. J'y ai cru. JC. Végétablou. Ah, c'est pas fini. Oh non, la grosse. Mais non, le troll pour terminer la multi. C'est terrible. 1, 2, 3, 4, 5 SSR dans la multi. Ok, oh putain, j'ai cru que c'était le Beerus LR, j'ai cru au bout. Je me suis dit, tiens, peut-être qu'il est passé intelligence entre temps, juste pour me faire plaisir. Bon, c'est quand même pas mal, on a droppé Zama Black et deux Majin Vegeta, donc vraiment c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. J'espère que vous avez pu dropper. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude. Sur ce, je te fais des bisous. À la prochaine. Biscuits Love Peace. Ciao.